Hi everybody. Today is the poster number 602. We are the August 24. Yes, we are. And like usually, I'll change the title there because I don't like the place where is this 2020 there. So yesterday I did the poster with a black brain and I want some new render of this black brain. So on Blender 2.8, I hit the keyboard R for rotation, Z, yeah, and I type 90. Like that, my brain is placed on the front of the camera. I go there, I want it a little bit higher value, not too much. 4.2 is fine. I want to see what happens. So I come over the property. That the property there? Maybe it's not the property there. And this little camera icon there. Hey, come on. Yeah, and I bake and direct lighting to have a preview of the modification I made with the light there. It's calculating, so like usually have to wait a moment. Bake lighting 29%, 34, 41, 7, 52, 60, 70, 80%, 90%, and 100%. Woohoo! Looks like if it didn't change something. Very strange. Whatever the render I made yesterday was fine, so today will be fine to render image. Yeah, I know it takes time. I think I will do that several times, change the placement of the brain and generate a render each time for each position. Like that, I will use the picture on. I cut the video now and I'll see you later when I will be ready. If no, you will wait a long time and get the render I want, different view of the brain, and import them into Photoshop. Only that. No less, no more. See you.
pense que tout le monde a le droit à une paix juste dans cet endroit du monde. Mais tout le monde est d'accord pour que les Palestiniens aient droit à un pays. Bah, il manquerait plus que ça. Le problème, c'est que vous avez été viré de cette liste Euro-Palestine. Vous avez été viré. Mais alors, vous avez été viré. Est-ce que je peux vous simplement juste laissez-moi expliquer, puis après vous direz si vous êtes d'accord ou pas. Non, parce que je n'ai pas été viré. C'est-à-dire que c'est moi qui est parti. Donc, je veux juste rétablir cette vérité. Oui. C'est-à-dire, j'ai fait une dépêche AFP expliquant que ce mouvement devenait un mouvement politique et que je préférais prendre mes distances. C'est pas ce qu'ils disent. Eux, ils disent qu'ils vous ont viré parce que vous avez amené dans Euro-Palestine et tourne autour de vous des gens douteux comme Alain Soral qu'on a reçu ici d'ailleurs. Vous l'avez reçu Alain Soral. Mais qu'on recevra plus parce que compte tenu de ce qu'il a dit, on peut pas le recevoir. Mais il l'a dit avec ses mots. Moi, je sais, je le connais. C'est un copain. Et il n'a absolument rien d'antisémite. C'est un républicain. Il s'exprime avec une façon parfois un peu radicale. Attendez. Il a dit dans complément d'enquête sur France 2. Il y a le film, c'est passé sur France 2. Il a dit depuis 2500 ans, chaque fois que les Juifs mettent les pieds quelque part, au bout de 50 ans, ils se font dérouiller. Mais c'est les trucs qu'on. Mais c'est vraiment des propos d'avant-guerre, quoi. C'est des trucs qu'on a pu entendre depuis 60 ans. Oui, mais je pense qu'il s'en est excusé. Je pense que ce qu'il voulait dire, c'était qu'il fallait, dans des moments de crise, avoir un peu d'auto. Se regarder un petit peu soi, c'est on peut pas rejeter tout le temps la faute sur les autres, c'est pas forcément les Arabes les méchants, c'est pas forcément et c'est ça qu'il voulait dire, il s'est exprimé de manière un peu brutale. Maintenant je n'ai pas assumé ses propos. Vous n'avez pas assumé, mais quand il a dit ça, vous étiez à côté de lui, impassible, mais c'est-à-dire que souriant, vous, enfin je veux dire, ça avait pas l'air de vous choquer. Non mais si vous voulez, vous l'avez dit, je pense que le plus important, et Alain Soral, bon, il a été victime en plus de violences suite à cette émission. Justement, alors Alain Soral un soir dédicace des livres dans une librairie. Il est agressé, vous allez à son secours, vous arrivez après la bagarre, mais enfin, vous allez le soutenir encore. Mais c'est-à-dire que je vais le soutenir, je pense que ce genre d'artiste, parce que c'est un artiste, un libre penseur, un peu trash, un peu punk, mais je crois que c'est important à l'heure où on est dans une expression artistique complètement commerciale, de préserver ce type de vision, ça me paraît important. La liberté d'expression de Soral, je la respecte puisque je l'ai invité ici, il a dit des choses terribles et ça m'a été reproché, etc. Donc je suis pas en train de jouer les pères la pudeur ou les saintes nitouches. Oui, je sais, mais je sais. Mais quand il dit des trucs comme ça, c'est d'autant que vous êtes l'un des seuls, et je le dis, je pense avoir une oreille attentive sur le monde de la création et de l'art en général. Mais on peut pas. Il y a des moments où même si on connaît les gens, même si on les a invités, on leur dit non, c'est plus possible. Alors, c'est vrai qu'il y a moi encore une fois, je pensais pas être là pour parler d'Alain, mais je sais que c'est quelqu'un de très sensible et un artiste particulièrement brillant. Et je regrette qu'il soit censuré et boycotté son dernier ouvrage là. Mais attendez, être censuré, être boycotté. Moi, je suis ni un boycotteur ni un censeur. Non, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, quand les gens rajoutent systématiquement et qui montent aux extrêmes dans des déclarations absolument insupportables qui rappellent les propos les pires des années 30, on peut plus les inviter à la télé, même si on est un libre penseur, même si on pense que tout le monde a le droit de s'exprimer. Oui. Non, mais c'est votre ligne éditoriale. Je sais pas comment vous faites. Je pense que vous avez aussi des pressions. Vous pouvez pas faire tout ce que vous voulez tout à fait. Bah, écoutez, vous êtes là, hein. Oui, oui. Non, mais c'est pour ça que moi, je vous remercie en tout cas d'être. Vous êtes là. Donc, ça veut dire que je fais ce que je veux. Simplement, je vous dis ce que je pense. C'est vrai que je n'aurais pas invité 15 jours après le sketch chez Marc-Olivier Fauziel. Mais ça, c'est moi. C'est vous. Mais autrement, vous êtes vous seul face à vous-même à ce moment-là. Mais la preuve, c'est que vous êtes là. Mais quand vous déclarez, par exemple, Dieudo, je sais pas, vous déclarez que l'antisémitisme n'existe pas. Oui, c'est pas vrai. L'antisémitisme, c'est un truc qui est mort. Non, mais avec les nazis, ça n'existe pas. Non, mais vous vous rendez compte de ce que vous arrivez à dire? Je pense qu'il. Non, mais il faut resituer systématiquement les propos dans le contexte. Je pense que on peut parler de racisme aujourd'hui. Il faut arrêter de parler d'antisémitisme. L'antisémitisme, c'est quoi? C'est quoi un sémite? Non, mais ça n'a pas de sens en soi. Ce mot-là n'a pas de sens. Donc parlons plutôt de racisme. Mais on peut parler de racisme anti-juif, c'est pareil. Eh ben voilà. Et on dissocie des formes de racisme, une forme particulière. Et ça, je pense que c'est un danger grave. Voilà. Il me paraît important, ça va dans le sens de ce que dit Mouloud Aounid d'ailleurs, je crois que c'est très important d'aller. De se battre contre tous les racismes et pas simplement contre le racisme anti-juif. Et non, on est bien d'accord. Aucun. Mais oui. Alors, mais ça vous amène quand même à dire des trucs. Quand on vous parle de la Shoah, vous dites, comme si ça pouvait équilibrer quoi que ce soit d'ailleurs, vous dites Israël a soutenu l'Afrique du Sud dans sa politique d'apartheid. Les Nations Unies, si vous voulez, se sont réunies
et on dit ce que j'ai dit. C'est simplement, moi, c'est, il suffit de, il y a un livre d'ailleurs qui est très bien d'Olivier Moukouna, un entretien qu'on a fait. Qui est interdit ensemble. En France pour le moment. Ouais, mais si vous voulez, qui reprend cette, cette résolution des Nations Unies qui dit Israël est le dernier pays à entretenir des relations politiques, nucléaires, et financières avec, la, avec l'Afrique du Sud, avec l'État raciste d'Afrique du Sud. Donc, moi, c'est les, je ne fais que citer les Nations Unies. Alors, mais tout le monde a entretenu des relations avec l'Afrique du Sud à l'époque de l'apartheid. Mais, et tout le monde s'est félicité de ce que Leclerc... Je veux dire, mais d'accord, mais être le tout le monde s'est félicité à un moment de ce que de Klerk avait supprimé l'apartheid. Et oui, mais voilà. Être le dernier à le faire, ça a un sens symbolique fort, très fort. Ouais. Je crois, si vous voulez... Non, mais quand vous dites, par exemple, que l'Afrique du Sud et Israël ont mis au point ensemble un programme d'épuration ethnique... Bon, ça, j'ai pas dit ensemble, mais ce que j'ai dit, c'est dans le livre de Moukouna. C'est Wangari, ouais, ouais. C'est Wangari Maathai, prix Nobel de la paix 2004. Je peux pas faire mieux en tant que femme de bonne volonté comme référence. Cette femme dit qu'effectivement, le SIDA, elle prétend que le SIDA, bon, je pense que elle est maître d'elle-même quand elle dit ça. Elle n'est pas sous la menace. Elle dit que le SIDA est une invention pour anéantir le peuple noir d'Afrique. Ouais. Bon. C'est ça sa théorie. Bon, moi, la seule chose que je dirais aujourd'hui, est-ce qu'on ne pourrait pas faire par rapport à cette maladie terrible? 80% des gens qui vont mourir de cette maladie sont noirs sur la planète. Donc, ça serait peut-être pas mal quand même de faire, je sais pas, une sorte de, une analyse, une étude sur les origines de cette maladie, mais complètement indépendante. C'est-à-dire, mais vous en êtes à penser que le SIDA a été consciemment développé pour anéantir les Noirs d'Afrique. Non, mais moi je ne pense pas ça. Mais quand vous avez le prix Nobel de la paix 2004 qui reçoit son prix et nous informe de cette chose, je m'interroge. Et je dis, je ne veux pas y croire, ça me paraît trop atroce, mais vous citiez tout à l'heure le nazisme, c'est vrai que la folie humaine, elle peut aller très loin. Donc il faudrait peut-être faire une commission d'enquête sur les origines de cette maladie. Qui aurait intérêt à détruire les Noirs d'Afrique? Eh ben, c'est cette commission d'enquête qui pourrait nous en informer. Maintenant, c'est peut-être effectivement une paranoïa ultime, je ne sais pas, mais le fait qu'un prix Nobel, qu'une femme en plus formidable. Oui, d'accord. Enfin, est-ce que vous êtes conscient quand même que là, vous êtes sur une route qui vous coupe du reste du monde, quoi? Vous êtes parti dans votre truc. Qui me coupe du reste du show business, mais pas du monde. Ouais. Parce que je suis, ma salle est pleine depuis le mois de. Ah, mais ça, vous trouverez toujours des gens pour aller vous voir. Oui, ça, Le Pen, il fait 19% de suffrage. Oui, mais je suis... Des gens qui vont aller entendre Non, mais moi, Le Pen, je me suis battu, vous savez, à droite. Mais oui, justement. Bon, je suis pas sur cette ligne politique. On peut même me traiter d'immigrationniste, moi. C'est-à-dire, je pense qu'effectivement, c'est par le brassage naturel des populations sur cette planète qu'on arrivera à un équilibre, à une paix. C'est mon concept. Donc, je suis pas nationaliste du tout. Maintenant, me comparer à Le Pen, non, je... Mais vous êtes un provocateur. Mais... Et j'apprécie la provocation. Non, mais Coluche a eu des problèmes, Bedos a eu des problèmes, ils ont été interdits d'antenne, il y a eu des parce qu'ils s'attaquaient au pouvoir en place, parce qu'ils s'attaquaient aux institutions, et c'est tout à fait souhaitable, c'est tout à fait bien, on a besoin de gens comme ça. Mais est-ce que vous n'avez pas le sentiment que vous êtes embarqué dans un truc, et d'une façon un peu têtue, vous ne voulez pas reconnaître... C'est mon côté breton. Non, mais... C'est vrai que ma mère est bretonne. Ouais. J'ai un côté un peu têtu, mais tant que je ne comprends pas, j'ai l'impression d'être de bonne volonté, de m'être excusé si j'ai blessé des gens qui ne pouvaient pas comprendre, à partir du moment où je dois aller au bout. Et je crois que c'est... Vous savez, vous le savez mieux que moi, mais on est dans un pays où avec une vraie tradition de l'humour à l'époque, c'était même à l'époque des rois, il y avait le bouffon à la cour. Oui. On lui mettait la couronne et de temps en temps, on lui coupait la tête. Non, mais sans aller chercher jusque-là, balle tragique à Colombey en couverture de Charlie Hebdo quand le général de Gaulle meurt. Voilà. Très bien. Oui. Mais là, c'est pas pareil. On a l'impression que vous complaisez finalement dans cette victimisation dont vous êtes le seul responsable, en fait. Mais c'est un point de vue de me dire ça. Moi, je vous remercie de m'avoir invité, mais je pense que c'est un point de vue qui est discutable. Je pense être la victime, et je ne pense pas me parce qu'on m'a interdit de travailler dans un pays où je paye des impôts, parce que j'ai une femme et trois enfants à nourrir, parce que je trouve incroyable que dans un pays comme le mien, qui est la France et qui est enfin plus largement l'Europe, je préfère me considérer comme européen, je trouve incroyable que
J'ai pu faire un sketch sur le mollah Jean-Christophe. J'ai pu faire un sketch sur le curé. Ouais. Là, je fais un sketch sur un colon israélien. Ouais. Et tout d'un coup, c'est l'hystérie. Pourquoi? Parce que vous avez, depuis un an, enfoncé le même clou. C'est ce que j'essaye de vous dire ce soir. Si vous auriez fait le sketch chez Ogiel, vous auriez dit, bon, le sketch n'était pas très drôle, je suis désolé, ok, basta, c'est pas grave. Moi, je vous ai invité un jour ici pour faire l'épitaphe de Jean d'Ormesson, c'était pas très réussi. Voilà, bon, mais c'est pas grave, on a dit, c'est pas grave, Jean d'Ormesson, je lui ai expliqué, je lui ai dit, Dieu. Mais là, ça fait un an que vous enfoncez le même clou, vous devenez le représentant maintenant officiel, vous étiez un humoriste. De l'antisémitisme. De l'antisionisme, au moins. Ouais. Ah, quelle saloperie. Ça vous tombe sur la gueule un bon matin. T'es pas préparé. Pire que la chiasse, hein. Et non, c'est vrai que c'est douloureux. Non, mais là, vous êtes devenu maintenant le spécialiste. Par exemple, quand le gouvernement veut interdire la chaîne du Hezbollah, Al-Manar. Ça, c'est un scandale. Voilà. C'est une chaîne qui fait un feuilleton basé sur le protocole des sages de Sion, dont tout le monde sait que c'est une invention. C'est une chaîne qui explique que c'est les Israéliens qui ont donné le sida aux Africains. Non, mais on revient sur ce sujet. Et vous la défendez, cette chaîne. Je défends simplement.